Salut à tous, c'est Narev, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Siege Survival Gloria Victis. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous commencez à en avoir l'habitude, n'oubliez pas, selon votre envie, de liker, commenter, vous abonner et d'activer la cloche de notification afin d'être mis au courant dès qu'une nouvelle vidéo sort sur la chaîne. Je suis désolé, hier vous n'avez pas eu de vidéo, j'ai eu un petit souci qui m'a empêché de réaliser la vidéo que vous attendez tant pour à 19h. J'espère bien que ce sera réellement occasionnel et très rare. Cela étant dit, on va se relancer tout de suite dans le jeu. Ça se passait plutôt bien, même si on avait été repéré la dernière fois, hein, on arrive sur des zones très très intéressantes. Tu vas venir manger, alors on va mettre au ralenti. Déjà, on va récupérer. Il y a dû y avoir une petite mise à jour. Parce que les tutos, je pense qu'on les a fait un paquet de fois. Non, il n'y a rien à récupérer. Max 2. Ouais, là, on est bon, hein. Donc, on reste là-dessus. Toi. Oh, toi, tu as besoin de te reposer. Donc, eh ben, tu te reposes, hein. Rana. Tu vas venir manger. Flint, tu vas venir boire un petit canon, puis après tu iras te reposer. Toi, tu vas venir également manger. Les cochons, ils ont faim. T'es qui, toi? T'es Flint. Alors toi, Flint, on veut que tu te reposes. Très important. Alors, Rana. T'as mangé, c'est très bien, maintenant tu vas aller boire. Enfin, toi, tu manges et tu bois. Toi, tu viens là, tu vas venir récupérer ça. Toi, t'es parti faire quoi? T'es parti dormir, oui. Ok, on a besoin de torches. Donc on va aller les fabriquer tout de suite. Où ils sont, c'est. On récupère ça. Toi, tu fais ça. Ouais, pas de soucis. Un seul. On va attendre un petit peu. Oui, tu viens là. Toi, tu vas commencer par ça, récupérer ce qu'il y a là. Voilà. Tendre un piège ici. 1, 2. Quatre torches. T'es en train de préparer, c'est parfait. Ok. Tu vas aller nourrir le cochon qui nous reste. Varié, c'est parfait. Hop, comme ça. Bon, toi, t'es vraiment très fatigué. Ok. Ensuite, tu vas venir là, ici. Il nous manque des planches. Des planches. Non, on fait l'upgrader d'abord. Il faut quoi pour l'upgrader? Fer, briques et planches. Très bien. Alors on va commencer par ça. Il en faut 3. Très bien. T'as préparé ça. Nickel. Tu vas me faire ça. Ça c'est bien. J'ai besoin que tu me fasses des planches, hein, s'il te plaît. Des planches. Ah, tu vas m'en faire 12. Toi, tu as terminé ici. Tu vas venir récupérer ça. Un petit peu d'eau. Hop. Est-ce qu'on peut fabriquer quelque chose? Oui, 4 repas. Parfait.
commence à être bien. Toi aussi, c'est bien. Toi. Tu viens là, tu peux pas faire grand chose en fait. Hein. Donc on va rester comme ça. Par contre, les arcs, oui, tu peux m'en faire. Allez, on va créer des arcs. Toi, bah tu vas continuer à faire des planches. Pas autant. Voilà, juste ça. Pour l'instant, on avance bien. Toi, ouais, c'est bien. Tu te reposes. Quoi ici? On n'a rien de cassé, donc c'est déjà bien. Ok, toi t'as fait ça. On va venir ici. Et on va en créer 4 de plus. Donc ça sèche. Parfait. Ici normalement on peut rien faire. On est pas mal. Flynn, tu vas pouvoir y aller. Toi aussi, tu as. Ouais, ok. Et voilà la nuit qui arrive. Repérage, bon, ça en a fait. Repérage avancé. Alors, toi, tu sors dans la cité. Oui, et les deux autres. Les trois autres plutôt, vous dormez. On manque d'armure et d'armes de mêlée. On envoie un personnage dehors. Oui, il s'en connaît. Du coup, ouf, oui, même 4 et une pelle. Et on va passer ici. Ah non, il faut qu'on prenne également ça. On essaye de trouver l'île des fumeurs de pois. Allez, débuter la fouille. Ok. Tutoriel de fouille, oui. On s'en a compris, on l'a déjà fait un milliard de fois. Je sais pas pourquoi il nous a remis tous les tutos. Mais bon. Alors, on peut faire ça. On verra jusqu'où ça mène par ici. Il y a des choses intéressantes. Nourriture avariée, oui, potentiellement. L'île, c'est clairement pas là. Ça, oui, on prend. En fait, je sais pas trop par où il faut qu'on aille. Cela dit, on va bien trouver. Hein. Bon, ici, ça va être de l'eau. On va la prendre.
Quitte à la laisser plus tard ailleurs. On va aller récupérer les ressources qui sont là. Oui, ça en prend tout. Évidemment. Il se rapproche. Ou il part. Non, il repart après. Hein. Ok. On prend le bois. Allez, on avance. Je suis pas confiant là. Hein. Il me semble que c'était là, il y avait un gars tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure. L'autre fois plutôt. Ouais, il y a un gars. Allez, on va brûler le corps. Ouais, s'il reste là, ça va pas être cool. Parce qu'on va pas pouvoir passer. On n'est pas venu jusqu'ici. Très bien. On prend. Ah si, par contre je me souviens là. Je crois qu'on est passé. Ah, par contre il y a l'autre qui se pointe. Tu prends ça. Retourner au château, oui, bah sauf que là, bon, comment dirais-je, là on peut pas, hein. On va enlever ça, bon, allez, retour au château, tant pis. Ah oui, on peut passer par là. Oh, c'est bien. Ok. Ah, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave si t'es repéré. Ok, il a raté son coup. Alors, sérieusement? La place du marché, elle est pas safe du tout. Allez, et on repart. L'assaut ennemi approche. Alors, tu vas commencer par ça. Tiens, viens manger, boire. Aussi. Allez, Flint. Tu vas faire ça. Tu vas manger. Légumes séchés. Ok, et tu vas te reposer. Toi, au boulot ici. Toi, tu vas venir là. Toi, tu sais pas quoi faire. Tu vas faire ça. Là, tu en manques plus. Parfait, on a à récupérer ça. Ce qu'on veut maintenant, c'est ça. Tu vas venir ici. Hop, tu vas faire ça. Hop, allez, tu vas venir récupérer ça.
Tu vas venir nourrir les cochons. Parfait. Tu vas venir nourrir les poules. Nourriture variée pour les cochons. Nourriture avariée pour les poules? Non. Toi tu vas venir là. Toi tu vas venir là. Toi t'es là. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Non, ce qu'on veut, c'est grossir les rangs ici. Toi tu prends ça, oui. Est-ce que tu fais, tu peux faire quelque chose? Nourriture avariée, forcément. Qu'est-ce qu'on veut? Tu vas venir ici. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Ça aussi c'est fait. Ah, on va balancer ça. Ah. Tu vas venir ici. Tu peux refaire ça, c'est parfait. Du coup, alors on va récupérer ça. On va mettre ça. Je te mets un arc. Oh. Là t'es pas mal. Je t'envoie tout ça. C'est toi qui va y envoyer d'ailleurs. Ah, toi tu faisais quoi? Ah oui, toi tu viens ici pour réparer. On commence par ça. T'as récupéré ça, allez hop, ici. On récupère ça. Tu viens ici. Toi, tu vas réparer encore ça. Très bien. Hop, ici à récupérer. La bataille a pris fin. Ok, on peut rien mettre d'autre. Je crois que j'ai pas ce qu'il faut. Ah, ça par contre, si. On en a besoin. Ok. Après, tu vas venir ici. Continuer. J'ai pas fait attention au résultat. Historique des batailles. Alors. Ce bain de sang semble sans fin, bien que nous ayons encore repoussé notre assaut, les forces ennemies sont toujours aussi solides. Qu'en est-il des nôtres? Un soldat tombé, trois soldats blessés, deux dégâts au mur, morale de la garnison en baisse, d'accord. Ouais, c'était quand même encore une victoire. Tiens, tu prends ça, tu prends ça, et tu prends ça. Et je t'envoie ça. On va pouvoir faire des flèches et des arcs. On va continuer. Hein. Toi, il y a quelque chose que tu pouvais faire? Non. Établi. Est-ce qu'on peut faire des flèches? Oui. Et ça me plaît pas. Tant pis. Des bruits, c'était nul. Ah, là, par contre, on prend tout ça, oui. Bon.
Bah, c'était une nuit. Oh, il y aura plein de choses à récupérer. Flint, tu vas sortir. Non, tu vas. Tu vas faire un petit repérage. En fait, vous allez tous faire du repérage. Voilà. Tu sors dans la cité. On va prendre ça au cas où. Et tu sors par ici, évidemment. Allez. Non, oh, j'ai oublié de prendre les poids, évidemment. Bon. C'est pas grave, on va essayer de récupérer un maximum de ressources et surtout de trouver le chemin. Est-ce qu'il y a des choses par ici? Ouais, il y a des choses à récupérer. Il y a un passage par là. Bon, ça sera sûrement par là, du bois et des pansements, très bien. Et un bandage plutôt. Allez, on y va. Vu qu'il n'y a personne. Nourriture avariée et verdure et herbes. Ok. On va avancer tout doucement. On va essayer de rester prudent. Ah! Et encore deux nourritures avariées, très bien. On va brûler le corps. L'île des fumeurs de pois, ben voilà. De loin, déjà la puanteur et les nombreuses mouches indiquent que l'île des fumeurs de pois était témoin de scènes terrifiantes. Devant vous se trouve un tas de cadavres. Ironie du sort, les citoyens qui évitaient avant les fumeurs de pois ont tenté de trouver refuge ici, en vain. Ils sont à présent égaux dans la mort. Le pire, c'est que les cadavres sont sur le chemin menant à la tourbe, de laquelle on crée la précieuse poix. Dégagez la voie avec une torche. Bah oui. Dégageons la voie avec une torche. Et je pense que du coup, ouais, l'île va être tranquille. Et ouais. Faut trouver extrêmement. C'est dommage. Bon, on va venir. On va commencer par récupérer ce qu'il y a là. Sûrement y avoir quelqu'un ici. Encore. Ressources. Ah, peut-être de la pierre là. C'est un mur. Franchement, ça serait pas mal. Non. Ici, oui. Allez, on récupère. Ça a l'air de passer par derrière également. Encore du bois, ça fait beaucoup de bois. Beaucoup, beaucoup de bois. Oh, un joli coffre. Ça, par contre, je veux. Qu'est-ce qu'il y a donc dans ce coffre? Alors, ça, oui. Je suis prêt à laisser ça pour prendre ça et ça. Bien évidemment, c'est worse. Ah. Et là, il n'y a pas de passe. Ok. Donc du coup, on va repartir. Je sais pas si on a le temps de faire quelque chose d'autre. De toute façon, Flint, après, il va aller faire un gros dodo pour soigner ses blessures. Là, on arrive au bourbier, on est allé jusque là. Ah oui, ça on avait fait. Ok. Bon, bah on rentre. Hein. Allez, on rentre à la maison, mon petit Flint.
C'était encore une très très bonne opération. Alors, Maryse, couverte de sang, apparemment pas le sien, exulte. Sangmar! En plein milieu de l'assaut des Ismirs, la flotte Sangmar a surgi et pris les Ismirs à revers. Ils ne sont pas restés pour finir le travail et sont repartis comme ils sont apparus, car l'issue du siège ne les intéressait apparemment pas. Les Ismirs ont été ébranlés. Oh, c'est une bonne chose. Voici donc la situation, conclut Maryse. Nous ferons notre boulot et empêcherons que ces bâtards entrent, tout comme vous ferez le vôtre. Cette nouvelle est réconfortante, mais prématurée. Et si l'aide ne venait pas? Ou si les Ismirs recevaient des renforts? Le siège pourrait s'éterniser, raison de plus pour vous préparer. Eh bien, effectivement, on va se préparer. Mais on se préparera dans la prochaine vidéo, celle-ci étant arrivée à son terme. J'espère que ça vous aura plu. Encore désolé pour hier et pour l'absence de vidéo. Croyez-moi, je le regrette autant que vous. Sur ce, n'oubliez pas le clap, à savoir commenter, liker, vous abonner et partager. Mais surtout partager, car vous le savez, le partage, c'est la vie. Allez, à ciao, bye bye.